Déjà fini pour danser le match. Ça nous rassure beaucoup de choses lorsqu'il conduit. C'est pourquoi j'aime toujours quand il est dans la ville qu'il puisse conduire. Un très bon fils. Que le Seigneur se souvienne de toi, ta femme et tous tes enfants. Ils sont fruits des fatas. Depuis le début de l'église, jusqu'à ce jour. 11 ans déjà. 11 ans à la moja. Qui est à nos pieds. Très fidèle. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus? Il y a des choses qui ne nécessitent pas que je crie, mais quand tu les entends, tu comprends directement que Jésus mérite d'être acclamé. Parce que faire 11 ans au pied des pasteurs, il faut les faire. Acclamons d'abord très fort. Salut. Merci. Marié ici. Il a trouvé le travail ici. Aujourd'hui, il a deux enfants. Et la première, c'est ma femme. J'étais surpris. Vous voyez, Alain a donné le nom à ma femme. Je l'ai béni. Tel que tu m'as tenu là. Ta vie ne tombera jamais. Je te déclare inébranlable. Ta foi inébranlable. Ta santé inébranlable. Ton mariage inébranlable. Ton travail inébranlable. Tu ne tomberas jamais. Au nom de Jésus. Que Dieu te protège. Car l'humilité précède la gloire. Et ceci est un signe d'humilité. Que la gloire de Dieu. Sois dans la joie. Nous acclamons très fort pour la salle. Ce matin, je n'ai pas vraiment besoin de crier. Mais j'ai juste besoin que nous puissions respecter ce que le modérateur nous a dit. Voilà pourquoi je vais retourner pour qu'il nous dise ce qu'il était en train de dire depuis les débuts. Pour nous qui étions là, on avait déjà compris, mais vous êtes un peu venu en retard. J'ai voulu, avant la parole, que tu comprennes un peu l'esprit de ce que il y a la foi et la joie à côté. Acclamons très fort. Vous saluez, 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 vous saluez. Amen. Nous voulons faire passer la parole. Parce que à la fin, nous allons adorer Jésus. C'est comme ça que ça se passera aujourd'hui. Donc l'adoration de ce dimanche aura lieu à la fin du culte. On va terminer à genoux devant le roi de roi. On va l'adorer pour ces 14 jours. Pour tout ce qu'il a accompli. Nous voyons sa présence. Nous sentons que sa main est en train d'agir. Nous sommes vraiment envoyés par l'atmosphère de la gloire de Dieu. Parce que nous ne sommes plus liés. Mais le roi de roi nous a déjà délivrés. Nous sommes libres. Nous avons la joie d'écouter la parole. Nous avons cette joie. Amen. Nous avons cette joie. 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 Nous avons voyez que nous faisons tout pour respecter l'heure. Nous avons cette joie. Nous avons cette joie. Nous avons cette joie. Je veux que tu sois frais au moment de la parole. Vivre la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes à la fin. C'est là où on doit être plus sérieux qu'avant. Très concentré. Que Dieu puisse nous parler. Que Dieu vous parle. Je termine.
rentré à la maison vers 1h, les intercesseurs m'ont réveillé au téléphone pour me dire, papa, le Seigneur veut que nous puissions être ensemble jusqu'au matin. Et je ne pouvais plus dormir jusqu'au maintenant. J'ai la foi qu'il y a des choses que Dieu a déjà accompli dans cette église. C'est ça le défaut de l'église pentecôtiste. Ils aiment le mouvement. Ils aiment qu'on les presse. Ils aiment qu'on fasse des grimaces pour qu'ils croient que Dieu a agi. Quand vous parlez lentement, ils ne croient pas. C'est comme si la gloire de Dieu était dans les cris, alors que la gloire de Dieu, c'est dans ce que tu entends. Quand tu crois, la gloire de Dieu te couvre. J'étais en train de rassurer à toute l'église que Dieu a des choses qu'il a accomplies dans l'église, dans nos vies, dans nos familles. Et là où nous ne sommes plus là où on était, mais Dieu nous a libérés, Dieu nous a délivrés. Amen, amen. Et je t'invite à acclamer le Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous allons prier pour la parole. Bien-aimé, protocole, veillez vraiment sur les enfants. Je voudrais qu'il n'y ait pas de perturbation, que le pasteur travaille jusqu'à la fin en toute tranquillité, dans un climat vraiment de paix et d'amour. Ceux qui sont à l'extérieur, veillez pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Faites vraiment une fois qu'on fasse un culte tel qu'on avait commencé depuis le début dans une forte profondeur, que ça se finisse ainsi et que Dieu puisse vraiment se glorifier. Mais vous avez, même avec le Seigneur, si vous n'êtes pas reconnaissant, vous allez rater ce qu'il a déjà réservé. Parce que si vous ne savez pas dire merci à ce que vous avez déjà vu, vous aurez du mal à vivre ce que vous n'avez pas encore vécu. Amen. On ne peut que dire merci pour ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Alors pourquoi je me réunis avant de présenter l'homme de Dieu. Nous voulons vous témoigner notre reconnaissance. Nous voulons vous dire combien nous sommes touchés par votre disponibilité et cette très bonne disposition du cœur que vous avez. Amen. Merci beaucoup, mon révérend évangéliste Paul Wambo, pour avoir accepté notre invitation. Vous avez tout laissé, la famille, l'église, et tout ce que vous avez comme occupation, tout ce que vous avez, un agenda très chargé. Mais le Seigneur a voulu que vous puissiez être ici à Lubumbashi pour les comptes de ces 14 jours de prière de délivrance des familles. Nous avons vécu avec vous un moment inoubliable, un moment de gloire, un moment qui restera gravé dans les annales de cet ensemble, parce que je voudrais vous témoigner que nous avons vu la main de Dieu par le biais de votre ministère, non seulement avec la parole, mais aussi avec le miracle, de grandes signes qui se sont accomplis dans cette église. Je suis le premier à témoigner que votre arrivée, votre présence ici dans cet ensemble m'a relevé. Amen. J'étais perturbé par de rêves qui, à un moment donné, même mes os étaient touchés. Mon ministère était envahi par un vent jusqu'au point où je disais à Dieu, Seigneur, jusqu'où tu veux m'amener? Et que veux-tu réellement m'apprendre? C'est comme ça que j'avais senti la voix de l'Éternel me convaincre pour dire, invite cet homme de Dieu. Toute l'église sait qu'on avait un programme déjà établi. On devait avoir un mois de prière avec d'autres serviteurs. Mais c'est à la dernière minute, quand j'ai entendu la voix de Dieu, le Seigneur m'a dit, fais tourner votre programme. Voilà les programmes que je te montre, appelle l'évangéliste Paul. Et je crois, parlant avec vos téléphones, je vous ai dit clairement que vous êtes en train de venir dans une mission de relèvement.
Et je l'ai répété à tout moment, alors que vous étiez encore à l'écoute, si vous m'avez appelé, on a parlé, vous avez prié pour moi au téléphone, et ce jour-là, j'avais senti une onction me terrasser au point où j'avais cru que votre présence ici à Lubumbashi va apporter beaucoup pour cette église. Et au moment où je parle, je ne suis plus malade. Dieu m'a guéri. Amen. Dieu m'a rélevé. Amen. Dieu m'a restauré. Amen. Je n'ai plus de problèmes. Amen. Et le Seigneur s'est glorifié dans ma vie. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne savaient pas, mais j'ai tenu tout un séminaire ici, assis. Ce n'était pas par mon vouloir, mais c'est parce que je ne pouvais pas me tenir debout pendant 5 minutes encore. Quand je m'ai levé, 5 minutes après, j'avais le vertige. J'avais toujours tendance à tomber. Et c'est comme ça que vous m'avez vu m'asseoir durant toute une semaine en train de tenir un séminaire, alors que j'utilisais la sagesse pour vous dire que nous étions dans l'école de Dieu. Ce n'était pas vraiment dans une école, mais le corps de votre pasteur était envahi par une maladie inexplicable. Et j'ai fait avec cette maladie plus de 4 mois. Je n'étais pas facile. C'était très fort. Où est-ce que je ne suis pas allé? Quel hôpital je ne suis pas entré? Vous ne le saviez pas parce que je ne pouvais pas le manifester en tant que père. Je gérais ça durant 4 mois depuis mon retour de Kinshasa. Au mois de mars, le premier, j'étais déjà de retour. Jusqu'au mois de juillet, j'ai fait 4 mois malade. Combien je n'ai pas dépensé? Toutes mes économies étaient parties comme ça. J'ai fait des dépenses plus de 1 700 $ américains pour me faire soigner. Mais aucun médecin m'a donné la solution. Aucun centre de santé. Je suis allé dans des hôpitaux que vous connaissez. Les gens m'ont dit, c'est à la scène, c'est qu'il y a des appareils professionnels. Je suis allé là-bas. J'ai jeté l'argent plus de 3 reprises. On m'a dit, non, il faut voir des professeurs d'université. Je suis allé voir des professeurs d'université dans leur cabinet privé où je payais l'argent à tout moment, de dollar en dollar. Mais personne n'a réussi. À un moment donné, le médecin, tous ont commencé à comprendre que j'étais un homme de Dieu. Un jour, j'étais avec le professeur Muyumba. Il a tâtonné, il dit, tu es avocat, tu es médecin. J'ai dit non. Et puis après, j'étais obligé de lui dire que j'étais pasteur. Et il m'a dit, pasteur, tu n'es pas malade. Je dis, mais je ne suis pas malade, mais là, tu ne sais pas ce qui se passe. À la dernière minute, je suis allé voir même un psychiatre. Je suis allé voir même un neurologue. Quel est le spécialiste que je parle? Je vais les rassurer à l'église. Peut-être que vous doutez encore de cet homme de Galilée. Mais je vous assure que Jésus guérit toute maladie. Il n'y a rien qui est impossible à Jésus. Si vous croyez en lui, il va vous sauver. Si vous croyez à ses serviteurs, il va vous rélever, vous réussirez. Je crie en Dieu. Il m'a touché. Je crie à son serviteur. Son onction m'a rélevé. Son Dieu m'a touché. Et je bénis Dieu. Parce que je peux vous parler. Je peux me tenir debout. Je peux marcher. Je peux passer ma journée sans prendre un médicament. Je dors et je me réveille. Et je sens Dieu me renouveler du jour le jour. Et il est en train de faire de moi un homme restauré. Tout ça, c'est pour témoigner le merveille de Dieu. Parce que la nuit, le Seigneur a envoyé un message pour me dire, pasteur, vous terminez l'action, mais sois le premier à témoigner. Et je suis soumis à Dieu, j'ai obéi à sa voix. Je vais le faire. Vous qui êtes là, si pendant 13 jours, vous n'avez pas su, vous n'avez pas compris, que quelque chose s'est passé dans votre vie aujourd'hui, je te demande d'avoir la foi. Amen. Il est le Dieu qui commence, mais aussi qui achève. Amen.
ce que tu n'avais pas vu au début, tu peux le voir à la fin. Amen. Si tu crois ce matin, pendant que cet homme sera ici, au moment de la parole, pendant la prière, je ne sais pas à quel service Dieu le mettra à cœur. Je vous dis la vérité. Vos problèmes vont trouver des solutions. Vous allez sortir de ce lieu joyeux parce que vous allez aussi le dimanche prochain revenir pour dire Dieu m'a fait du bien. Amen. Papa, votre Dieu vivant. Amen. Votre Dieu vivant. Votre Dieu vivant. Quand je parlais avec l'apôtre Raph, que j'étais en train de vous inviter, il m'a dit directement au bureau, il a sauté, dit lui, invite-le. Alors que depuis le début de l'année, on n'a pas encore invité, il m'a dit lui, qu'il vienne. Je ne sais pas pourquoi il avait directement accepté. Il m'a dit, c'est un homme de Dieu. Je suis convaincu. Il craint Dieu. Il a prié pour moi. Il dit, va faire ce travail. Et j'ai compris que notre Dieu, le Dieu des Fata, est un Dieu vivant. Amen. Amen. Bien aimé, je suis guéri. Jésus m'a guéri. Le Dieu d'avant qui m'a guéri. Le Dieu de l'Oango m'a guéri. Le Dieu de ma jeunesse. Ce Dieu que j'aime tant. Ce Dieu pour qui je m'oublie. Et quand je le regarde, je ne jure que par son amour. Amen. Amen. Papa, merci. J'étais obligé de le faire comme ça avant que vous passiez parce que je veux que quand vous allez monter là à l'intérieur, que vous puissiez travailler avec beaucoup d'assurance, que le maître de cette œuvre vous rémunérera. Amen. Il vous connaît et c'est lui qui vous a envoyé. Amen. Il a fait beaucoup au travers de vous. Je vous dis la vérité. De la vérité. En tout cas, merci. Merci pour tout. Votre amour, votre humilité, votre caractère. Là où je vous avais logé, papa m'a dit, mais cet homme est discipliné parce que depuis qu'il est là, il ne sort pas. J'ai entendu quelqu'un l'appeler pour dire, viens me rejoindre. Il dit, non, moi je ne ferai pas. Si tu veux, tu viens là où je suis. Parce que je suis en train de main de quelqu'un, passer par lui. J'ai répondu à mon fils que je connais cet homme. Merci d'avoir donné beaucoup de leçons à l'église. Merci pour la sagesse. Merci pour la connaissance. Ça ne sera pas la dernière fois. Nous vous assurons que si le Seigneur ne revient l'année prochaine, ça ne sera pas la même époque. Mais d'ici la Pâque, vous serez encore ici. Amen. 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 Que Dieu nous donne des frères comme vous. Que Dieu nous donne des serviteurs comme vous. Avec qui on fera route ensemble parce que le chemin est très long. En même temps, ce chemin est rocailleux, épineux, plein de problèmes, de difficultés, beaucoup de faux, beaucoup de mélanges. Et nous avons peur, mais lorsqu'on se retrouve entre nous, craignant Dieu, ça nous donne la joie. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je verrai avec ce peuple, chacun va lever sa main droite. C'est la plus grande des bénédictions. C'est plus que des millions. Juste ta main droite, tu dresses vers lui. Tu dis, Seigneur, que ton serviteur reçoive de toi la bénédiction, la protection. Quand tu le dis, tu vois, maman, pasteur, c'est-à-dire sa très chère charmante épouse qui est avec lui en esprit pendant qu'il est à genoux, les enfants et tous ceux qui sont dans leur maison, et n'oubliez pas son ministère, je parle de l'église, de ses enfants spirituels. Tu dis que le Dieu de mon père Jean-Claude vous bénisse. Prie pendant une minute au nom de Jésus. Que le Dieu qui bénisse ses serviteurs te bénisse. Que le Dieu qui élève ses ouins t'élève. Marabo Shakaya Baba.
que l'Éternel ajoute une portion d'onction sur ce qui était déjà sur vous. Oh Dieu, protège Papa Paul, protège Maman Pasteur, protège les enfants, protège l'Assemblée, la main de l'Éternel, protège le fidèle de cette Assemblée et toutes les Assemblées qui commencent à naître dans son apostolat, Seigneur. Nous voulons que Dieu, sa communauté, aille de gloire en gloire, de puissance en puissance. Et ce que j'attends de toi, Seigneur, c'est que tu puisses le récompenser pour ce travail au ciel, oui, mais aussi dans ce monde présent, qu'il reçoive le centuple de ta bénédiction et de ta grâce au nom de Jésus-Christ. Garde-lui à tes pieds, t'es craignant et qui reste intègre jusqu'à ton retour, afin que ce jour-là, nous puissions nous retrouver lors de l'enlèvement de l'Église. Merci pour ton serviteur jusqu'au dernier jour et à l'arrivée à Kinshasa, que ta parole qui dit, tu bénis le départ et l'arrivée, soit avec lui jusqu'au dernier jour. Au nom de Jésus. Merci. Vous êtes fatigué? On peut s'élever? Yes. Force-toi. Dis-moi. Et force-toi bien. Tu casses chez mon père. Papa, nous vous aimons. Papa, nous vous aimons. Travaillez avec joie. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. C'est notre devoir. On en a l'habitude de nous acquitter comme ça au dernier jour. Avant tout, que l'Église dise quand même quelque chose. Parce que le temps est mauvais. On n'a plus de vrais serviteurs. Mais quelques-uns qui sont restés fidèles à Dieu, on doit les garder, les protéger. On doit être jaloux de Dieu. Nous sommes jaloux de votre grâce. Amen. Amen. Je remercie l'interprète, Papa Kapiamba, qui a été très excellent pendant 14 jours. Chaque jour, j'ai prié pour vous. Chaque jour, je vous regardais. Je disais, mon Dieu, garde-moi ces serviteurs. Garde-les-moi, Seigneur. Protège-le, Seigneur. Garde-les à tes pieds, Papa, qui ne meurt pas précocement, qui ne tombe pas malade, oh Dieu. Sois avec lui, sois toujours son Dieu, qui le protège, qui combat pour lui. Je déclare sur toi, tu ne cesseras jamais de servir Dieu. Et toi, tu ne perdras jamais la force physique. La maladie ne va jamais s'asseoir dans ton corps. Aussi longtemps que tu seras au pied du Seigneur, laisse que ta grâce monte en puissance. Que Dieu te protège. Toi et ta femme, Maman Sylvie, ainsi que vos enfants, recevez toutes les bénédictions liées à mon ministère et au ministère de Papa Paul qui nous a bénis, avec qui tu as travaillé pendant 14 jours. Que l'onction qui coulait sur lui coule sur toi. Et que tu sois un homme de Dieu béni. Aussi financièrement, que l'Éternel, après ce travail, te relève aussi dans les finances et qu'il t'accorde un nouveau départ. Jésus, fais-le grâce qu'il dise que Manabo Shakaya Baba Bassam. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci. Je vous remercie, Papa Moïse. Vous pouvez vous relever. Merci. Vous avez été très excellent, je vous dis la vérité. Vous avez toujours travaillé, mais cette fois-ci, je vous ai vu très, très excellent. Je parle de l'excellence. Dans cette excellence, je vois ton engagement, je vois ta crainte de Dieu, je vois combien tu priais avant de venir servir. J'ai vu les cœurs avec tu faisais ce travail. C'était très spécial. Que Dieu te récompense, qu'il te protège. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Je remercie tous les modérateurs qui ont travaillé, qui ont défilé, que Dieu vous soit favorable. Merci aux bien-aimés chantres, Nouvelle Jérusalem, Cité des Dieux, nos amis enfants, pour le travail des qualités que vous avez abattues pendant ces 14 jours. Je vous dis vrai, l'ouvrier mérite son salaire. Que Dieu vous paye. Au nom de Jésus, merci pour votre engagement. Je suis vraiment en train de le dire, la main sur le cœur. Vous ne sécherez jamais. Personne ne vous fera du mal. Vous évoluerez, vous avancerez, vous ferez de grandes choses.
Et je le dis dans tous les domaines de votre vie, que mon Dieu, le Dieu de ces temps, vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Merci au protocole, mes très chers amis, qui ont toujours été là debout pendant des heures et des heures. Vous avez abattu un travail de titan, que le bon Dieu vous soit très favorable, qu'il vous restaure et qu'il vous rémunère. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Amen. Merci Maman Pétrunier et son équipe. Que Dieu vous bénisse. Merci à ce bien-aimé qu'on appelle les héros dans l'ombre. Le bien-aimé intercesseur. Que Dieu vous soit favorable pour ce grand travail spirituel qui a été un grand soubassement pour que nous puissions voir ces murs s'élever comme ça. Nous sommes là, on a vu ce qu'on a vu, mais je vous dis vrai, ça fait des années qu'on est dans le Seigneur, sans l'intercession, ça sera chaotique. Ce sont des bien-aimés qui savent plier leurs genoux, et même cette semaine, pendant que nous on était à la maison, eux étaient là depuis le mercredi, ici au temple, en retraite, et c'est aujourd'hui qu'ils vont manger. Est-ce qu'on ne peut pas les encourager? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure, qu'il vous protège davantage. Merci Maître Christian pour de nouvelles initiatives. Merci beaucoup. Merci. Amen. Amen. Maman, ma tata. Vous m'avez dit, changer sur ma place. Dans tout le monde, on a vu Maître. On a changé son nom, on a vu Papa. Fondement, on a vu qui nous on a vu l'on a la place. Et on a vu qu'on a vu qu'on a vu changer ma tournure. C'est-à-dire, celui qui avait semé quelque chose, là où il a l'habitude de s'asseoir, il sait déjà que c'est déterré. Deux, si aussi on avait semé quelque chose contre toi, cette histoire-là aussi, on l'a déterré. On l'a déterré. Donc même le temple est délivré. Acclamons très fort pour le même Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen. Mais tout le monde m'aime. Il a beau changer la tête, papa. Il faut vous mettre qui se met dans votre frère. Oui, non, on va dans la vanda. Na fondement ma baisse à terre. Il y a rien à terre. Il y a rien normal. Vous êtes chiquement habillé là. Très propre. Ça c'est la couleur du ministre. Ça c'est la primature. Que Dieu vous élève, papa. Amen. Avec votre taille goliathique de l'évangile là, ça fait bien. J'ai suivi votre publication que vous m'avez envoyé sur la race que j'ai mettre là de 2018. Papa, si quand on a le malouba, on s'en a un bouquet. Nathalie, mon ami, mais Dieu vous a béni. François, acclamons pour la bénédiction de Dieu. Dieu s'est dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, aujourd'hui quand je vous regarde, papa, bon, je suis Amen. Très propre, je dis, Amen. Au-delà de l'onction, il y a la grâce de Dieu. Amen. Quelqu'un est en train de dire, ah papa, 10 minutes de présentation, yaya. Jésus ne devait pas commencer le ministère sans qu'il soit présenté. Amen. Jean-Baptiste devait le présenter, puis le Saint-Esprit est venu sceller. Amen. Il faut présenter. Voyez votre onction là d'habillement. Voyez, regardez les chants de compagnie. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer très fort? Merci maman Bijou. À Sainte Maman Bijou. Avec l'équipe. Je le vois comme ça. Amen. Wonderful. Ah, Massajabou. C'est propre. Ça fait ça. Non, mais tout le monde, on a dit qu'on est venu à Sainte Maman Bijou, on va communiquer onction mariage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Akuna ou la tachelé, akuna ou la tachelé, 27 ans quoi. Amen. Ouais, bon, t'es bien, mon ami, ou à ta casquette, le monde, on a 27 ans. Bataille, moi, ta voix, je vais, on a parti à fiançailles. L'année prochaine, on a fait un mariage au nom de Jésus-Christ. Amen. Yaya, mon ami, qui attend, on a somme à Dieu, comme un bouquet, comme un bouquet, qui dit, tu as l'homme. Amen. Bouquet, il m'a tâté, il y a sauce, qui m'a.
Ce n'est pas moi, nous avons respecté les protocoles du royaume des cieux. Ah, merci. Ne pense même pas que Mina Chutuka, non. Je dois dire merci à un couple. J'avais prévu ça à la fin avant Abide. Le couple de Papa Didier. Ah, Dieu aussi à Papa Didier. Acclamons très fort. Amen, amen. C'est grâce à ce couple. Vous avez vu l'homme de Dieu en bonne santé. Très en forme. Pendant tous ces jours, presque 17 jours. Maman Fallon ne faisait que faire les bonnes choses. Le matin, à midi, le soir. Hier, je suis arrivé là-bas. Amen. 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 Tu qualifies comme bon frère, mais j'habite tout le monde. C'est vrai, ça va. Yes, Wangu, on y prend petit, on a coulé moya, moya. Amen. Amen. Merci. Ne pas ma maman, tu vas t'appeler maman Fallon du corps. Amen. Amen. Parce que ma maman a eu un matin, soyez maman du corps. Amen. 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 Papa. Amen. Même quand tu ne sais pas dire merci là, ni mon villageois. Quand tu ne dis pas merci là, maman a préparé. C'est être quelqu'un de village. Amen. Et puis même quand tu manges là, on a chiqué à bien, mais on a fait bah la chienne, on a chié à bien, c'est ma madame, tu as très bien préparé. La sauce, elle est bonne. Non, amen. Non, franchement, oh non, tu es spécial. Oh non, madame, non, franchement, il n'y en a pas deux. Oh non, tu es terrible. Amen. Ça, même quand tu ne dis pas là, c'est un villageois. Amen. Ça, pas loin de la ville, ma île. Tu vois, tout le monde la connaît, c'est ma papa, vraiment les villageois. Amen. Il faut apprendre à dire, mais. Merci. Donc, Papa Didier, Maman Fallon,